Salut à tous, nous revoilà ici à Sebring pour la troisième course de la saison. J'en ai fait une hier soir, mais l'enregistrement a un peu merdé. J'avais fini sixième. J'étais pas mécontent parce que j'avais pas mal de difficultés au niveau chrono. J'étais un peu à la ramasse. Donc depuis lors j'ai un peu retouché mon setup, essayé de trouver ce qui ne va pas, enfin, notamment le sous-virage, mais essayer vraiment de définir à quel moment et dans quelles conditions le sous-virage était le plus problématique. Donc j'ai amélioré 2-3 petites touches et j'ai également légèrement modifié mon pilotage, parce qu'apparemment il semblerait que je mettais les gaz trop tôt. Et bon, bah ça va, j'ai réussi quand même déjà là maintenant à descendre mes chronos de 3-4 dixièmes. Ce qui me met donc maintenant dans la norme approximative. Hein. Bon, il y en a pas mal qui tournent en 14, mais la plupart tournent en 15. C'est à peu près les chronos que je suis en train de faire maintenant. Donc j'espère que ça se passera pas trop mal. On est donc dans le top split hein, de nouveau. J'ai le numéro 4. Donc il va falloir essayer de faire un bon résultat. Néanmoins, avec le résultat d'hier, bien le classement se passe plutôt pas mal. Hein. Je suis 11e de ma division, mais je suis également rentré dans le top 20, toutes divisions confondues. Donc pour l'instant, les objectifs sont atteints. Donc on va essayer de faire... On va essayer de faire mieux ici, hein. J'ai fait 72 points hier. Bon, on va essayer d'en prendre une petite dizaine de plus, hein. On va voir. Hein. Allez, c'est parti pour les qualifs. J'essaye de pas trop gonfler mes pneus, parce qu'évidemment au plus il chauffe, au plus la pression sera éloignée de la pression idéale, hein, parce que comme vous le savez, la pression minimum sur la Mazda est déjà au-dessus de la pression idéale. Allez, on se lance. Green, green, green. Here comes your first time lap. Pas trop mal pour l'instant. Les trajectoires sont pas mauvaises. Ce virage là que je perds souvent du temps. Je pense que ça s'est pas trop mal passé. Fait off track, donc maintenant on va pouvoir attaquer un peu plus. One more lap. Ah.
Ah. J'ai un peu merdé ma chicane. Il faut absolument que je réussisse celui-là. J'ai un peu gagné de temps au freinage, encore un petit peu en sortie, mais pas trop. Le rouge est un petit peu rosâtre, donc c'est pas mauvais. Quinze point huit, c'est pas mauvais. Ça nous place cinquième. Ayant le numéro 4, c'est pas mal. Il reste 3 minutes de qualif. Lui, c'est un division 1, je pense. Effectivement. Est-ce qu'il est en train de rouler? Non. Bon, visiblement, il n'a pas envie de se qualifier. Ouais, Yurifle aussi. Ouais, ça, c'est toujours dans le top, lui. Et vous voyez, il me met 1 seconde 3. Hein. Comme quoi, j'ai encore une belle marge de progression. Mais bon, je sais aussi que le risque d'erreur est quand même un peu plus important ici que sur qu'ailleurs. Donc, je m'attends quand même à ce qu'il y ait un peu de casse. On va voir. La course passée, j'avais fini sixième parce que le sixième m'avait doublé en me faisant une petite touchette sur l'aile arrière qui a plié ma suspension. Donc j'ai dû me batailler pour garder ma sixième place. Parce que là, je tournais en 19-20. Avec le volant de travers. Mais bon. Conduite défensive dans le dernier tour et ça m'a permis de conserver ma sixième place et donc de marquer 72 points. Ouh. Bah, quoi qu'il en soit, pour l'instant la saison se passe pas trop mal. Les résultats sont pas vraiment flamboyants, mais au classement, l'objectif est atteint pour l'instant. Quoique j'aimerais quand même rentrer dans le top 10 de ma division, ce serait pas mal. Allez, encore une petite minute. Peter Charrox qui a l'air décidé à pas faire de qualif. Peut-être peur de se faire tamponner au premier virage. Mais bon, ici, les dépassements sont pas évidents, hein, donc il prend quand même des gros risques. Reste à voir en combien il tourne, j'en ai aucune idée. Et oui, ici on est quand même à 3 dans le même dixième. Ça va être serré. Hein. 2 millièmes de différence ici. Bon, ceux-là, ils vont vite se faire larguer, je pense. Allez, 15 secondes. Bon, comme je disais, j'ai déjà fait une course hier, donc je peux prendre un peu plus de risques ici. Étant donné mon classement avec le résultat d'hier. Je peux y aller un peu plus franchement, bien que c'est pas vraiment, c'est pas tout à fait dans ma nature, mais bon. Allez, je parle, et j'ai failli faire la connerie du siècle. Appliqué, voilà, ça c'est bon. Voilà. Voilà.
Non, 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 non. Non, 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 non. Green, green, green. Eh merde. What'd you do? Pass the leader before the start finish line. We've got a 15 second penalty. Bring it in. Car on your left. Stay on the left. Stay your left. Left side. Oh, et ce black flag m'a perturbé. They're on the left. Bon bah, ça va être une de merde. They're on the left. Right side. Clear on the rod. Allez, Fred, concentre-toi un petit peu, s'il te plaît. Merci. Et avec tout ça, je sais même pas où est l'entrée des stands. Voilà, ça c'est vraiment une course catastrophique. Hein. Come in for the black flag or you'll be disqualified. Où est l'entrée des pits? J'en sais rien du tout. Left side. Stay on the right. Keep it to the right. Ça doit être ici quelque part, hein? Stay on the right. Stay on the left. Ah merde. Oh, je fais de la merde. Oh putain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe cette course. Bon allez, concentration maintenant. On va essayer de limiter les dégâts. Je crois que j'ai jamais fait une course aussi catastrophique.
17 secondes, c'est merde. Allez, Fred, concentre-toi, putain. J'espère que l'autre là que j'ai tamponné, on subira pas trop de conséquences. Ah. On a inquiété dans le décor. C'est déjà mieux. Je vais gagner une place. Prête, nom de Dieu. Se concentrer. Oh, je crois que c'est vraiment la pire course de ma vie. À la mi-course déjà, je pense. Je peux aller le chercher. Ah.
encore tendance à accélérer trop tôt. Alberto Ortiz devant. Ah, ça veut dire qu'il y en a un qui est sorti. Look far ahead. Yes. Allez, putain. Right side. Keep to the left. Still there. Oh, putain, lui a mal à l'intérieur, c'est pas... Clear. Ouf. Wow.
Juste au moment où la voiture commençait à partir, je me disais, attention, frappe ta roue arrière gauche, elle est loin. Au moment même où je me le dis, bam, elle est partie. Je mets les gaz trop tôt à chaque fois. T'as vu, je rattrape, hein, mais... Compliqué, hein, compliqué. Non, je ne me prendrai pas un tour, pas question.
Doucement. You got about 5 laps of fuel left. White flag, one to go. Thanks for not following the truck. Either was fast. Yes, you understand me. I didn't want him to cancel. No, I just raced. C'est quoi ça, la fumée là-bas? Non, feu d'artifice, génial. Neuf secondes 6. Bah, je vais quand même réussir à lui reprendre. Grosse dizaine de secondes. Car stop right side. Sector flags out. Great job, driver. Great job, t'es foutu ou quoi? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
défoncer le derrière. Balas Arza. Ok, bah, je vais lui envoyer un petit mail. Oh, bah, il est encore là. Merde. Bon, bah, je vais lui envoyer un mail offline. Balas Arza. Bon, on va voir les dégâts que ça a occasionnés. Ouch, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, et bien voilà. Hein. Je vais essayer de voir pour en refaire une autre tout à l'heure. Donc voilà. Allez, comme quoi, tout se passe pas toujours bien. Allez, sur ce, à plus tout le monde. Ciao, ciao.